Mesdames et messieurs, bonjour dans votre journal hebdomadaire. Enfin, un terrain d'entente entre la direction et les syndicats à la SNCB. Le travail reprend dans certaines prisons, la grève se poursuit dans d'autres. Alerte attentat terroriste en Belgique, la sécurité renforcée. Le réacteur nucléaire de Tihange 2 a été remis en route jeudi soir. Le Brexit et la Belgique. Toujours avec le Brexit, une députée pro-Union européenne brutalement tuée par balle jeudi dans le nord de l'Angleterre. Direction la France et la Coupe d'Euro 2016 qui se déroule dans ce pays. Des affrontements ont eu lieu entre des supporters anglais, russes et la police française. Une personne gravement blessée est entre la vie et la mort. Enfin, un terrain d'entente entre la direction et les syndicats à la SNCB. Trois semaines après le début du conflit social entre les directions des chemins de fer belges et les syndicats, nous sommes parvenus à un terrain d'entente, a déclaré Michel Abdissi, président de la CGSP Cheminots, jeudi vers 13h30 à l'issue d'une nouvelle réunion de concertation. La circulaire à l'origine de la grève spontanée des cheminots entre le 25 mai et le 3 juin est retirée. Mais les syndicats ont dû faire plusieurs concessions. Ce préaccord devra formellement être approuvé lors de la prochaine commission paritaire nationale le 29 juin. Mais il n'y a pas de raison pour qu'il ne le soit pas, a confirmé Marianne Lerouge, responsable du secteur rail de la CSC Transcom. Les sanctions décidées à l'encontre des cheminots grévistes n'ont pas été abordées durant la réunion. Après plus de 50 jours d'arrêt, le travail reprend petit à petit dans certaines prisons de Bruxelles et Wallonie. C'est le cas de la prison d'Ytres, dont les gardiens ont décidé lors d'une assemblée générale, tenue ce mercredi 15 juin à 9h, d'aller vers une reprise du travail. Une réunion se tenait à 10h pour décider des modalités de leur retour, notamment du jour de reprise. Même scénario du côté de Jamio. L'Assemblée générale des gardiens de la prison a décidé, sans pratiquer de vote, de la reprise du travail d'ici lundi 20 juin. Une réunion avec la direction du pénitencier est prévue jeudi afin de prévoir les modalités de la reprise. Les agents pénitentiaires grévistes de la prison d'Arlon, réunis mardi en Assemblée générale, avaient également décidé d'une reprise du travail dès lundi prochain. Ceux qui continuent la grève, en revanche, sont les agents de Mons, d'Andenne, de Lantin, de Marche-en-Famenne, de Tournai et de Forêt. Une alerte antiterroriste a été diffusée dans tous les services de police concernant la possibilité d'un attentat imminent soit commis en Belgique et en France par des djihadistes de Daesh, partis il y a une semaine et demie de Syrie. L'information a été révélée mercredi matin par plusieurs journaux, dont la DH et Sud Presse, mais a été aussitôt minimisée par l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, l'organisme qui récolte et analyse toutes les informations en matière de terrorisme provenant des services de police et de renseignement. L'OCAM a décidé de maintenir l'alerte au niveau 3. Ce niveau signifie que la menace est grave, possible et vraisemblable. Mais il n'y a pas d'informations spécifiques faisant état d'une menace imminente, a commenté un porte-parole du centre de crise. Le réacteur de la centrale nucléaire Tihange 2, à l'arrêt depuis vendredi dernier, a été redémarré jeudi soir, informe le porte-parole de la centrale, Serge Dobie, qui précise qu'il s'agit d'un retour sur le réseau banal et en toute sûreté. Le réacteur de la centrale nucléaire Tihange 2 est de retour sur le réseau depuis 22h56. A communiqué à Belga, Monsieur Dobie, nous sommes dans la procédure normale de remise en route, action par action, opération par opération, comme prévu dans les procédures, a-t-il ajouté. Le réacteur s'était mis automatiquement à l'arrêt vendredi après-midi. Il s'est avéré après examen qu'un moteur électrique était tombé en panne. Le ministre de l'économie, Chris Peters, s'inquiète de la perspective d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et déclare « Nous devons nous préparer à des moments difficiles ». Il estime que si cela arrive, la Belgique serait plus durement touchée que les autres pays européens. La Belgique a exporté en 2015 pour l'équivalent de plus de 30 milliards d'euros vers le Royaume-Uni, qui est le quatrième partenaire économique du pays. En sens inverse, 20 milliards d'euros de marchandises sont venus d'outre-Manche. Quelques 220 entreprises belges ont une branche sur l'île. Selon une étude d'ING, l'économie belge reculerait
de 0,5% en cas de Brexit, soit une perte de 2,1 milliards d'euros. Les Britanniques devront s'exprimer le 23 juin sur leur maintien dans l'Union européenne, mais des effets négatifs sont déjà observés. La députée britannique Jo Cox, 41 ans, était dans un état critique après avoir été blessée par balle et poignardée à Birstall, dans le nord de l'Angleterre. Un homme de 52 ans a été arrêté. Alors que la campagne pour le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne bat son plein à 7 jours du scrutin, l'agresseur aurait crié « Britain first » selon un autre témoin cité par la chaîne Sky News. La députée travailliste pro-européenne de la circonscription de Batley et Spin a été touchée avant de s'effondrer, selon un témoin cité par l'agence Press Association. Élue en 2015, la mère de deux enfants aurait également été poignardée. Un supporter anglais est entre la vie et la mort après des violences sur le Vieux-Port de Marseille en marge d'Angleterre-Russie, qui rappelle que l'Euro 2016, focalisé sur les menaces d'attentats, court aussi le risque du hooliganisme. Selon une source policière, le supporter a reçu vers 17h30 des coups de barre de fer vraisemblablement à la tête. Et un CRS a tenté de le ranimer sur place avant qu'il ne soit évacué vers l'hôpital. Il a fait un malaise, a été ranimé, mais son pronostic vital est engagé, a complété le préfet de police Laurent Nunez. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a condamné dans un communiqué le comportement irresponsable et délibéré de deux pseudo-supporters. Il a assuré que le risque de violence extrasportive était pleinement pris en compte par ses services, au même titre que les autres menaces terroristes notamment. Dans un contexte de violence liée aux hooligans lors des compétitions internationales de football depuis près de 30 ans. Votre journal est fini pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec la météo en vous souhaitant agréable journée, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal.